Salut mes petits Mougis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Oui, ça y est, excusez-moi un petit peu pour le délai. Bon, vous n'avez pas eu à attendre lundi ce coup-ci. Mais pour votre petite review de l'épisode 11 de la saison 4 de Kingdom, donc qui est sorti ce samedi sur ADN, comme à chaque fois, comme chaque samedi, ça fait plaisir. On va donc reprendre ce qui s'est passé au cours de cet épisode, encore une fois, fort sympathique. C'est parti, let's go, on prendra le seul commentaire, vu que vous n'avez pas été très très investi, malgré 200 vues, une vidéo pas très très longue, 8 petits likes, mais un petit commentaire. Allez. Je vous fais confiance, vous pouvez mieux faire dans les commentaires. Donc, reprenons ce qui s'est passé avec le combat tant attendu, même la revanche, on va pas se mentir, entre Won et le Conchi. Maintenant que les enjeux sont bien posés, qu'on connaît un peu la backstory du Conchi, Won, elle a un petit peu étoffé aussi sa backstory, c'était assez cool, son développement, le développement du personnage qui est assez cool dans cet épisode par un petit détail, hein, mais tu te rends compte, en fait, avec du recul, que ouais, c'est quand même pas rien. Voilà, je sais pourquoi je dis ça, on développe un peu plus. Et donc, on se rend compte que là, Won excelle, en fait, dans cet affrontement-là, puis dans le combat à la lance de manière générale, c'est dans les attaques de précision, et on s'en rendra bien compte à la fin de l'épisode. Le Conchi, lui, il excelle plutôt dans les frappes lourdes et puissantes, et justement, tellement, il t'envoie une déferlante surpuissante que tu peux pas riposter et que tu peux rien faire. Ce qui justifie aussi un petit peu ce qu'on a à la fin, dans le sens « Ah, oh, mais il se protège pas ses points vitaux, comment ça se fait qu'il s'est pas fait avoir avant ?» Bah, tout simplement parce qu'il n'avait pas pu avoir la possibilité des adversaires qu'il avait en face de lui, et Won, même si c'est un peu facile de dire ça, bah, était un peu le pire type d'adversaire qu'il pouvait avoir, même si Won a eu de la réussite, avait eu de la maîtrise, mais que tout ça, ça se provoque. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui aurait eu les mêmes prédispositions que lui. Voilà, c'était pas forcément gagné d'avance que une personne avec les mêmes prédispositions aurait pu obtenir le même résultat. Ça, c'est important à prendre en compte. Il y a une énorme part de risque prise de la part justement de Won, et au final, ça a payé. Mais vous avez vu que lui aussi, il a laissé quelques plumes et il aurait pu y laisser sa peau aussi. Surtout qu'il n'y a pas été voilà, dans le meilleur état de sa vie, et il avait bah, justement laissé pas mal de plumes lors du premier affrontement face à lui. Si tu veux, ça aurait déjà pu être fatal, pardon, leur premier affrontement. Et lui a eu la chance d'avoir une seconde chance et il a su parfaitement la saisir. Et du coup, donc oui, au début, bah, ça se passe plutôt mal, vu que cette blessure commence à être ouverte de part en part. Et bien, justement, que la veille, à ce moment-là, on a un petit flashback assez sympa avec Banyu et avec Kanju, et que Banyu, justement, cherchait à rassurer Kanju par rapport à Won. Justement, bah, lui, il commençait, enfin, voilà, par rapport au fait qu'il commençait sérieusement à douiller, mais surtout le fait bah, qu'il ne renonce pas à ce moment-là, parce que, voilà, il doit lui aussi, justement, laisser son nom hein, dans l'histoire. Et à ce moment-là, il arrive à blesser le Conchi par deux fois. Donc, oui, je fais un petit mix avec la petite scène, justement, à ce moment-là, qu'on a de flashback de la veille, mais on comprend un peu mieux dans la foulée de cette dernière pourquoi, justement, Won voilà, veut pas baisser les bras, veut pas reculer malgré les blessures qu'il encaisse. Et au final, voilà, la chance sourit souvent aux audacieux, même si, bon, c'est pas vraiment de la chance, on va dire. Je parlerai plus de bon karma, on va dire, dans ce cas précis. Et là, pour le coup, ouais, ça a parfaitement souri à Won. Et c'est à ce moment-là, justement, que Banyu se rappelle comment tout a commencé avec Won. Donc là, on a le flashback quand il était petit et qu'il commençait à s'entraîner à la lance. Et il comprend justement que la maîtrise complète d'Won, donc qu'il a actuellement, en fait, de sa lance, bah, avait commencé à ce moment-là. Donc, t'imagines un petit peu avec des entraînements année après année, en plus de ça au sein d'une famille prestigieuse. On rappelle encore une fois que c'est le fils de Hussein et qu'il est affilié de manière globale à la famille de Wuki. Et forcément, là aussi, encore une fois, vis-à-vis, c'est pour ça aussi qu'il a envie de laisser son nom dans l'histoire, parce que c'est, voilà, non seulement par rapport à son père, mais par rapport à toute sa dynastie, voilà, il n'a pas le droit de ne pas être à la hauteur. Et surtout, donc, on se rend compte bah, que c'est comme ça, et au fil des années, qu'il a appris tous les types de formes de combat à la lance. Et c'est pour ça, bah, justement, qu'il savait comment pouvoir contrer le Conchi, même si, bon, il a dû, voilà, il lui a fallu pas mal de temps, histoire de bien cerner totalement, justement, son adversaire, et de lire en lui comme un livre ouvert. C'était vraiment ça, d'ailleurs, à la fin du combat, on s'en est bien rendu compte. Et à ce moment-là, justement, bah, c'est ça qui a vraiment fait la différence face à la maîtrise de Won, face à la brutalité des coups du Conchi. Et en parallèle, on a Shin et Gaimu qui aussi continuent encore une fois d'échanger de violents coups à coups de Gandao ce coup-ci. Mais voilà, c'est assez marrant d'encore une fois faire ce petit parallèle entre Shin et Won qui sont en train chacun d'affronter un dragon de feu de Wei. Et Won, lui, justement, pour revenir à ce moment-là sur son combat et sur son climax, a remarqué que le Conchi ne protégeait pas ses points vitaux, donc ouais, qui était tous alignés. Et il le contre à ce moment-là, et en profite dès qu'il a une ouverture pour le transpercer, le pourfendre encore une fois avec sa lance au niveau de l'abdomen et du thorax. Et enfin libérer justement le Conchi bah, du poids de cette vie, et enfin lui permettre d'aller retrouver sa chair étendre. Alors ils nous ont resservé un peu le flashback au début de l'épisode, bon, c'était histoire de remettre un petit peu le contexte, mais voilà, ça a meublé un petit peu. Mais on va dire, voilà, je ne vais pas leur en vouloir, c'était bien vu. Vu encore une fois la finalité de cet épisode-ci, et le fait que tout prenne sens maintenant, même si on le savait déjà depuis quelques épisodes, mais voilà, tu vois, par rapport à la backstory du Conchi, tu vois, c'est pas si vieux que ça, mais c'est cool quand même
de le rappeler un petit peu. Et du coup, donc, il va pouvoir la retrouver de l'autre côté. En tout cas, on lui souhaite. Et pour finir l'épisode, on retourne sur l'unité Aishin où Carlotan commence à mettre en place son plan, justement, qui vise, bah, voilà, à pouvoir un petit peu naviguer, on va dire, de champ de bataille en champ de bataille jusqu'à atteindre justement le QG de Gaumei. Même si là, forcément, bah, Shin a décidé de faire diversion auprès de Gaimu, bah, un peu ce que Gaimu cherchait à faire vis-à-vis de Shin dans lors du tout premier jour, si je ne dis pas de bêtises, de cette bataille de Shuyo. Et là, c'est marrant justement de voir les rapports totalement inversés. D'ailleurs, le stratège de Gaimu est un petit peu décontenancé. Et pour le coup, le move était plutôt audacieux, vu qu'à ce moment-là, en fait, Kyokai a réussi à rameuter vraiment le gros, on va dire, de l'unité Aishin, justement, pour continuer et puis pour contourner l'armée de Gaimu pour mieux atteindre justement le QG de Gaumei. Bon, après, voilà, à ce moment-là, le stratège de Gaimu, il prête pas trop attention, vu qu'il sait qu'il y aura d'autres unités sur leur route, mais il envoie quand même 500 hommes pour la fin, et puis surtout, il ne les voit pas atteindre le QG. Mais ce qui ne sait pas, c'est que ça va aussi se produire justement du côté de l'armée de Uon, maintenant que aussi faire de la Gyoku. Maintenant que eux aussi ont réussi à éliminer encore une fois leur vis-à-vis, et on espère, même si forcément bah, à ce moment-là, et c'est là qu'on termine l'épisode là-dessus, et c'est là qu'on flippe un petit peu par rapport à Shin forcément, et puis ses plus fidèles soldats et ses plus fidèles lieutenants qui sont encore avec lui à ce moment-là, ça commence à devenir assez serré vu qu'ils sont en train de se faire voilà prendre un petit peu en tenaille par l'armée de Gaimu, bah, qui est maintenant exclusivement focalisée sur eux, et ils sont inférieurs en nombre. Et Shin commence lui aussi pas mal à encaisser sévère. On voit qu'il crache pas mal de sang. D'ailleurs, voilà, on peut saluer aussi l'effort qui a été fait pour un maximum de réalisme. Et bien entendu, ça promet là aussi pour les prochains épisodes. On a vraiment hâte de voir tout ça. Reprenons du coup le seul commentaire de la dernière fois, sans transition. C'est hyper. Bon, voilà, la vidéo sera pas excessivement longue. Gotobo nous dit bonne vidéo review, merci à toi, ça fait plaisir. Espérons que sa stratégie sera à la hauteur. Il a beau mettre en place des choses, ça va être compliqué pour Won, forcément, face à un tel adversaire. Mais voilà, encore une fois, il s'était plutôt bien préparé. PS, moi, j'ai jamais de problème justement avec YouTube, toujours follow jusqu'au bout. Mais ouais, quand je vois des vidéos d'autres personnes qui se font supprimer dans mes playlists, c'est triste quand même. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, c'est vrai que ça doit pas être. Bah voilà, c'est pas tout le temps évident, de la même manière que, alors, je sais pas si tu disais ça par rapport à ce que j'avais évoqué il y a quelques vidéos, je sais plus si c'était dans la dernière Riot Kingdom, mais par rapport au fait bah, qu'il y a beaucoup d'abonnés qui reçoivent plus de notifs ou qui pensent que j'ai arrêté ou autre, alors qu'ils sont encore abonnés à la chaîne, tu vois, mais qui soit m'ont oublié, soit n'ont pas fait l'effort de revenir checker justement sur la chaîne. Après voilà, je leur en veux pas encore une fois spécialement à eux, c'est pas si grave que ça, mais bon, c'est chiant voilà, d'être vraiment encore une fois dans le ventre mou et puis de ne pas avoir de moyens justement de dire coucou je suis là, coucou je continue de produire du contenu, tu vois, vu qu'on n'est pas relayé dans l'onglet tendance ou autre, à part des fois par recommandation, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Enfin bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, eh bien, j'espère que cette petite revue de l'épisode 11 de cette saison 4 de Kingdom vous aura plu. Je prends beaucoup de plaisir encore une fois aussi à vous le traiter. Épisode fort sympathique qui a été à l'essentiel avec un très très gros combat, une bonne animation, une bonne dynamique, une bonne OST. Épisode même très très propre visuellement aussi, hein, faut le souligner. Assez bien animé. Enfin, quand tu compares aux saisons 1 et 2, encore une fois, voilà, il y a eu vraiment du mieux de fait dans la saison 3 et on va dans cette continuité-là. Donc, pourvu que ça dure, franchement, c'était grave plaisant. On se retrouve la semaine pro, même chaîne, pour la suite de Kingdom et aussi en chapitre. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, passez un bon week-end et une bonne semaine. Salut à tous mes Mugi. Et ça, on en a.